Salut tout le monde! Eh bien aujourd'hui, séance de Pilates. Nous allons démarrer la séance tranquillement. Vous n'avez besoin que de votre tapis. Et c'est parti. On y va? Allez, go! C'est parti. On va démarrer la séance debout. Vous vous mettez juste face à votre tapis. Et puis juste tranquillement de la mobilité articulaire au niveau des épaules. On regarde loin devant et on essaie de bien sentir la mobilité des épaules, des omoplates, de sentir la cage thoracique également qui peut monter et descendre. On continue cette mobilité avec des ronds ici, d'épaule, pour en mettant les mains sur les épaules, on va chercher à étirer un peu plus, à ouvrir davantage. Et puis les bras se tendent et on fait de grands cercles avec les bras, suspend et va chercher loin derrière. Allez, encore un ou deux cercles. Et puis on va terminer en pliant les genoux. De là, tu vas arrondir le dos, relâcher la tête dans tes bras et comme si tu tenais un très gros ballon devant toi. D'accord? Lâche bien la tête dans tes bras et tu déplaces ballon sur le côté tout en gardant bien les deux genoux et le bassin face à toi. Tu vas à droite puis à gauche et puis encore une fois de chaque côté. Et puis on revient au milieu, on relâche juste les bras, on garde le dos bien rond, la tête relâchée et puis on fait de la mobilité encore dans les épaules avec des cercles. De cercle ou alors vous balancez juste vos bras. Allez, maintenez là, le dos bien arrondi. Avec les poings serrés, vous allez tapoter votre dos sans jamais toucher la colonne vertébrale. On tapote juste sur le côté de la colonne ici, jusqu'aux fesses, jusqu'en haut. Allez, on tapote, on relâche un petit peu les tensions musculaires avec ce petit mouvement. Et on relâche les bras. On vient mettre les mains sur les genoux. Et puis à l'inverse, on va sortir les fesses cette fois-ci et regarder loin devant. On va venir essayer de creuser un petit peu le dos. Voilà. On éloigne le sommet du crâne et les ischions. Et on étire, on étire, on étire toute la chaîne postérieure des jambes. Gardez les bras tendus, les jambes tendues si c'est possible. Et vous glissez les mains le long des tibias. Et vous restez. Donc on descend plus ou moins bas. Et on garde toujours cette opposition entre le sommet du crâne et les ischions. Le dos est toujours le plus possible creux. Et puis on relâche complètement la tête, les bras, les épaules. Le poids du corps est maintenant à l'avant du pied. Repliez légèrement les genoux et prenez le temps de dérouler votre colonne vertébrale. Une fois qu'on est debout, on étire les bras vers le haut, on se grandit, on regarde vers le ciel, on inspire. Et en soufflant, ouvre les bras par les côtés, lâche la tête et on roule doucement vers le sol. On va le faire trois fois. Inspire et dans l'expiration, déroule ton dos. Inspire et emmène tes mains vers le ciel, joins tes deux mains, regarde vers le haut. Projette le sternum vers le haut. Et souffle, lâche la tête, ouvre les bras et enroule ta colonne vertébrale jusqu'à toucher le sol, même s'il faut plier les jambes pour cela. Inspire, on le fait une dernière fois. Et souffle, déroule lentement. Inspire, joins les deux mains, regarde vers le haut, projette vers le haut. Et souffle, relâche. Relâche complètement jusqu'au sol. De là, tu avances une main après l'autre sans décoller tes pieds du sol. Tu essayes de garder cette forme de pyramide. Ça s'appelle le chien tête en bas. On va utiliser.
faisait un petit peu de posture de yoga aussi pour les étirements. De là, vous essayez le plus possible de rapprocher les talons du sol. Alors, c'est pas très grave si ça se soulève un peu. Ça dépend de la souplesse au niveau du tendon d'Achille. Moi, par exemple, je n'ai pas de souplesse à ce niveau-là. Je suis obligée de décoller un tout petit peu si je veux pour creuser mon dos, sortir la pointe de mes fesses vers le ciel. Et j'appuie avec mes mains pour essayer de sortir la poitrine. Attends, je rentre le t-shirt pour pas sortir le ventre. Allez, on y va. On pousse les fesses vers le ciel, pousse dans tes mains. Et puis on va transférer le poids dans un pied pour écraser plus le talon et soulever l'autre. Donc vous soulevez un talon, puis vous appuyez l'autre au sol. Et puis vous changez d'appui. Presse. Et encore, presse. Transfert, presse. Et puis les deux, les deux, les deux, les deux. Et de là, doucement, reviens vers l'avant en arrondissant le dos, plie tes genoux. Et positionne-toi à quatre pattes. Retire les orteils du sol. Et là, quelques dos ronds. Et dos creux. Allez, je trouve de la mobilité sur ma colonne vertébrale. Des dos ronds, des dos creux. Allez, ça fait du bien. On prend le temps de tout ça. Voilà. Profitez pleinement de ces mouvements de mobilité. Concentrez-vous sur votre mouvement, sur votre schéma corporel. Essayez de vous centrer sur vous-même et d'oublier un petit peu le reste. On essaie de bien profiter de sa séance. On amène les fesses vers les talons. On éloigne le bout des doigts. On pose le front sur le sol et je reste. Écartez peut-être un peu les genoux pour laisser de la place pour la respiration. Sur le ventre. Premier exercice, ça s'appelle le swimming. Le swimming à plat ventre. On a l'habitude de le faire à genoux, le swimming. Et bien là, ce sera à plat ventre. Vous avez les bras tendus devant vous et les jambes tendues. On va dégager le visage du sol. Essayez de dégager un petit peu la poitrine sans être trop haute. Hein. Juste de quoi chercher la longueur au niveau de la nuque. On va tout de suite penser à ses abdominaux. On imagine tout de suite qu'on a notre petit œuf cru sous le nombril, l'œuf de caille, d'accord, qu'on ne veut absolument pas écraser. Donc tout de suite, j'aspire mon nombril, j'engage mon transverse pour aspirer, pour ramener toute la sangle abdominale vers le dos, d'accord. Je baisse mes épaules, je tire mes omoplates vers mes fesses et en soufflant, je vais relever la jambe et le bras opposé. Maintiens, souffle, rentre ton ventre. Essaye de ne pas presser ton ventre sur le sol. Puis dépose mains et jambes à l'inspiration pour relever l'autre jambe, l'autre bras. Allez. Autant vous mettez de la longueur dans le bras, autant vous pensez à abaisser l'épaule et l'omoplate. D'accord ? Pareil pour la jambe. Je cherche la distance entre le bout des doigts et les orteils. Vous soufflez lorsque vous relevez, vous inspirez lorsque vous déposez. Ne cherchez pas à monter trop haut votre jambe. Aspirez bien votre nombril. Imaginez qu'une feuille de papier peut passer entre le ventre et le sol. Et on redépose. On garde cette position, on garde l'engagement musculaire au niveau des abdos. Et dans l'expiration, cette fois-ci, on va lever les deux jambes et les deux bras. Allez, vous devez sentir une intensité un peu plus forte sur vos abdominaux et sur les dorsaux, les muscles dorsaux. Et encore, ne cherche pas la hauteur. Décolle légèrement les bras, les jambes. Baisse tes épaules, tire tes omoplates vers le bas. Maintiens l'expiration. Et redescends, inspire.
relève les jambes, serre les fessiers, relève les bras, baisse tes épaules. Allonge la nuque, regarde par terre. De votre corps, n'allez pas trop haut, contrôlez, maîtrisez votre mouvement. Si ça tire sur les lombaires, c'est normal, hein, ce genre d'exercice. C'est aussi un travail musculaire au niveau des muscles du dos, évidemment. Donc, on a des sensations au niveau lombaire aussi. Et on relâche. Attrapez vos mains dans votre dos. Lâchez, posez une joue au sol, lâchez les épaules, lâchez les coudes. Vous allez juste changer la tête de côté. Hop. Et on revient dans l'axe. On vient maintenant poser ses avant-bras au sol, de cette manière-là, en formant un angle droit, le coude à la hauteur de l'épaule. Vous êtes à plat ventre et les bras dans cette forme-là. L'exercice, ça va être de relever les avant-bras du sol, enfin tout le bras du sol, et d'allonger les bras comme si vous vouliez aller toucher le mur qui est en face de vous avec le bout des doigts. Et au fur et à mesure que vous allongez le bras, vous pensez à baisser l'épaule et à tirer l'omoplate vers le bas. Il y a vraiment cette double direction et c'est ça qui va faire le travail musculaire. Donc pensez bien à allonger les bras, en même temps à baisser les épaules, à rentrer le ventre, et à tirer les omoplates vers le bas. Toute l'expiration, c'est le mouvement de bras qui s'étire. Toute l'inspiration, c'est le mouvement de bras qui revient en forme de chandelier. D'accord ? L'exercice s'appelle le swan dive, le vol du cygne. Donc on va imaginer qu'on est un cygne. Donc majestueux, on allonge le cou, la nuque, on regarde vers le sol. On ne va absolument pas lever les jambes. Pour ça, on va détendre les fessiers en mettant les pointes de pied légèrement en dedans. Je rentre d'abord mon ventre, je relève les bras du sol, je les allonge vers l'avant, je souffle, je touche, je baisse les épaules, je tire mes omoplates. Et j'inspire, je reviens, je ne pose plus les bras. Et je souffle et j'allonge. Rentre ton ventre, ne presse pas ton ventre sur le sol, inspire et reviens. Attention aux coudes en l'air, allonge. Souffle, va chercher loin, baisse. Oppose les épaules et les omoplates, toujours inspire, reviens. Encore deux fois. Dernière fois. Et reviens. Pose les mains à la poitrine et on va juste étirer en amenant les fesses vers les talons. Reviens à plat ventre et on va faire la même série, même séquence d'exercices. Là, les avant-bras, on repart sur le swan dive. Vous relevez les avant-bras, en soufflant, vous allongez les bras, baissez les épaules. Ne soulevez pas les jambes, ne serrez pas les fesses. Ramène à l'inspiration. Tends à l'expire. Rentre ton ventre toujours. Tout le temps de l'expiration, on a l'intention de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. Allez, va chercher loin. Encore deux fois. Allonge bien la nuque, regarde ton tapis. Ne cherche pas à être trop haut. Dernière fois. Super, place les mains à la poitrine et repousse à nouveau les fesses vers les talons. Ça va, super. Vous avez bien senti votre travail au niveau du dos. Normalement, c'est quelque chose qu'on doit bien sentir, le dos là qui travaille. Allez, mettez-vous en boule. Vous allez mettre les bras le long des jambes. Posez le front et lâchez complètement vos épaules.
va faire un dernier exercice à plat ventre. D'accord? Donc, hop, ici. Vous allez mettre les deux mains, alors je vous montre comme ça, l'une sur l'autre, et le front posé sur les mains. D'accord? Cette fois-ci, on va travailler le dos, bien entendu, mais aussi les fessiers. Pour ça, on va lever les jambes du sol. Mais on n'oublie pas de rentrer le ventre. Ça, c'est toujours, toujours. Hein. On va lever légèrement les jambes du sol, serrer les fesses, rentrer le ventre et placer les mains l'une sur l'autre. Le front sur les mains et on va faire des petits battements comme dans la piscine. Essayez de ne pas bouger dans tous les sens dans le battement. De bien stabiliser. Serrez bien les fesses, rentrez le ventre, stabilisez. Baissez les épaules, allongez la nuque. On souffle, on inspire plusieurs fois. Sans arrêter le mouvement des jambes. Encore. Ne cherchez pas à aller trop haut avec les jambes. Chaque expiration, on enlève de la tension sur le ventre. On aspire le nombril. Dernière fois. Et on relâche. Super. Ok, à nouveau, je pousse les fesses vers les talons. Je relâche complètement. Voilà, vous devez sentir votre dos. Là, tous les muscles qui longent la colonne vertébrale, qui s'étirent. On va replacer la position de quatre pattes pour refaire un peu de mobilité, d'accord? En rond, au creux, on retrouve de la mobilité. C'est important la mobilité, allez-y, faites du rond et du creux. C'est important d'être mobile, d'accord? Je le dis souvent dans mes cours, quand on a mal, par exemple pour toi Sabine aujourd'hui qui a mal au bassin, il faut éviter de rester figé. Alors je sais que parfois c'est très douloureux, un lumbago, ça nous cloue complètement au lit. Mais dans la mesure du possible, essayez le plus possible de mobiliser, de ne pas rester figé, mais au contraire de travailler un petit peu à votre rythme, à l'écoute de votre corps, un peu de mobilité articulaire des corps. Livio m'envoie des petits bisous d'amoureux. Moi aussi, je fais des gros bisous à Livio. Allez. On se stabilise à quatre pattes et on va faire le swimming cette fois-ci mais à quatre pattes. Mais on va rajouter une petite chose. D'habitude, on fait la jambe, le bras opposé. Ça, c'est toujours pareil, sauf que le bras, il va faire un grand rond pour aller jusqu'à l'arrière et un grand rond pour aller jusqu'à l'avant. On en fait quatre et on en fera après quatre de l'autre côté. Donc, on ne change pas à chaque fois, d'accord? Allez, inspire et en soufflant, allonge la jambe et le bras opposé, fais un grand rond, regarde ton bras qui s'éloigne et ramène devant. Inspire, expire. Bon, le voisin il a décidé de passer le Karcher maintenant. Allez, inspire, expire. Stabilise, inspire et on démarre. Expire, grand cercle de bras. Ramène, inspire. Et souffle. Allez, grand, ton bras, il est immense. Il mesure 3 mètres de long. Allez, tu fais un grand cercle. Dernière fois, tout le monde. Allez, soufflez. Directement, tu vas crocheter tes orteils. Alors, c'est peut-être un exercice que je vais avoir du mal à vous montrer parce que ça me tire très fort sur les genoux. Enfin, je vais essayer quand même. Si jamais j'ai mal, j'expliquerai sans faire. Vous allez dans cette position quatre pattes avec les genoux légèrement décollés du sol. Vous allez allonger une jambe, juste la jambe.
inspire. C'est de l'autre côté que je ne peux pas faire. Donc ce côté, je vais poser mon genou, moi, d'accord? Vous essayez. Si vous n'y arrivez pas, vous faites comme moi. Vous posez le genou au sol. Hein. Je reviens. On allonge. On revient. Ah, j'essaye. Ouais, ça va. On allonge. On fait une dernière fois de chaque côté. Allez, on n'a toujours pas posé les genoux. Hein. On revient. Le dernier. Ça va, je pensais que j'arriverais pas. Et reviens. Garde cette position. Tu vas juste éloigner un peu tes genoux. Engager le bassin vers l'avant, le coin du corps dans tes bras cette fois-ci, d'accord? Retire les orteils du sol. Inspire et en soufflant, plie les coudes pour rapprocher la poitrine du sol. Et repousse, inspire. Et souffle, descend. Et inspire. Allez, encore. Et inspire. Et descend. Et repousse. Il nous en reste deux. Allez, tenez bon. Et souffle, descend. Et inspire. Dernière fois. Et souffle. Sur le côté, vous allez emmener les jambes légèrement vers l'avant. Vous êtes en appui sur l'avant-bras, d'accord? Premier exercice, vous avez le bras tendu dans l'alignement du buste et en soufflant, vous allez pousser pour vous mettre sur la main et emmener juste le bras en direction des pieds. Ça va? On repose le coude. Facile. Et on repousse. On va faire évoluer cet exercice évidemment, hein. Allez, et on repousse. Je pose le coude, j'inspire, je repousse, je me grandis, j'allonge. Dernière fois comme ceci. On va continuer l'exercice, la même chose. En plus de ramener le bras, vous allez lever la jambe. Dernière fois comme ça, et souffle. Devinez ce qui vient. Je sais que vous avez compris, inspire, et souffle. On vient sur la fesse, on n'est plus sur la hanche. On redescend sur la hanche, et on monte sur la fesse. Redescend, inspire. Et doucement, je monte. Ah, j'ai plus de batterie. Batterie faible déjà. Oh là 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 là. Allez, encore, encore. Dernière fois. Remonte et on reste. On reste, on reste, on reste. Et on vient poser les deux mains derrière. Et là, on va faire un grand demi-cercle pour aller à droite. Un grand demi-cercle pour aller à gauche. On est sur les deux fesses maintenant. Hein. Hop. Grand demi-cercle. Allez, soufflez, dans le mouvement, tu souffles et tu inspires, tu souffles et tu inspires. Encore un aller-retour, souffle, dessine et reviens, souffle et là on va se mettre comme on a fait tout à l'heure sur le côté. Dépose les jambes, je vais juste changer pour être face à vous, hein. Et vous êtes ici, le bras tendu. À l'inspire et en soufflant tu pousses dans la main pour tendre le bras et venir ici, on est sur la hanche et reviens, inspire et souffle, rentre le ventre, serre la ceinture ici, encore, désolé hein, pour le bruit de fond, un petit karcher, allez encore. Ok, vous faites la même chose en levant la jambe du haut. Hop. Et reviens. Souffle. Long, long les jambes, long le bras.
quand je souffle. Et encore. Puis les deux jambes. Et on relève. Et on descend contrôlé. Essaye de ne plus poser les jambes. On repousse. Et reviens, inspire. Et équilibre. Et reviens dernière fois. Et sur le dernier, on va rester. Allez, vous restez ici. On reste, on reste, on reste. On allonge, on allonge, on allonge. Et on vient poser la main derrière pour faire les demi-cercles. On s'ajuste un peu sur le tapis. D'un côté et de l'autre. Encore, à droite à gauche, dernier aller-retour, et on va rester là-haut, et on dépose les jambes, grandis-toi, va chercher tes orteils, allez, on va chercher loin les orteils, on recule les fesses, on relâche. Allez, cherche bien l'étirement de toute la chaîne musculaire à l'arrière de tes jambes. Et on enchaîne avec des roll-up. On dépose son dos, on plie une serviette ou on met un coussin peut-être derrière. On étire le dos dans le sol. On va chercher à se grandir dans l'inspiration. Et en soufflant, on enroule la colonne. Si vous avez du mal, comme moi, vous attrapez derrière vos jambes. Et vous allez chercher loin devant. Baisse les épaules, inspire et souffle, descend. Encore deux fois. Descends, souffle lentement. Étire-toi dans le sol, inspire. On enroule et souffle. Et dernière fois. Et on s'allonge à nouveau sur le dos. Allongez-vous sur le dos, rassemblez vos deux genoux et balancez-vous un peu. Ok, on va attaquer une série pour les abdos. D'accord ? On a beaucoup travaillé le dos jusqu'à maintenant. On va s'intéresser maintenant plus aux abdos. Vous allez allonger les deux jambes vers le ciel. Vous étirez vos deux bras vers l'arrière. Les jambes sont bien à l'équerre du buste, d'accord ? Même si j'ai la souplesse d'emmener les jambes ici, je ne le fais pas. Je ne viens pas écraser mes lombaires sur le sol. Je garde cette position pour neutraliser mon bassin, d'accord ? Respecter la courbe de ma colonne. J'étire mes bras, j'inspire en soufflant. Vous allez ramener les bras, plier les jambes en chaise renversée et faire des battements ici. Je tends les jambes au ciel, je pose la tête, j'étire les bras, j'inspire et je reprends, souffle. Et encore, inspire. Et souffle. Allez, rentre bien le ventre dans toute l'expiration. Encore, grandis-toi, inspire. Et enroule et souffle. Inspire bien ton nombril.
Allez, les deux derniers. Et on revient, on place les mains derrière la tête, on allonge les deux jambes au plafond, inspire. En soufflant, tu plies et tu tends une jambe. Tu la ramènes tendue, inspire. En soufflant, tu plies et tu tends l'autre jambe. Tu la ramènes vers le haut à l'inspire. Plie et tends la jambe vers l'avant, souffle. Ramène cette jambe-là tendue au ciel. Et souffle, allonge la jambe vers l'avant, reste. Double direction, une jambe vers le ciel, une jambe vers l'avant. Ramène doucement, inspire. Et souffle. Ouvrez les coudes, dégagez le menton. Inspire. Et souffle. Inspire. Encore. Et souffle. Inspire. Encore, encore. Souffle. Allez, dernier de chaque côté, souffle, allonge, 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 ouvre les coudes, ramène à l'inspire, dernière fois. Et on revient, garde la tête relevée, plie les jambes en angle droit. Inspire et dans l'expiration, amène les deux bouts de pied vers le sol, les orteils ici. Et ramène, inspire, et souffle, descend. Rentre le ventre. Tu descends plus ou moins, on n'est pas obligé de toucher le sol. Hein. Ramène, inspire, serre tes abdos, souffle, descend. Et encore. Allez, engage, 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 toujours, ne gonfle pas ton ventre. Souffle. Encore deux fois, souffle. Ouvrez les coudes, dégagez le menton. Essayez d'être en hauteur, là, au niveau du haut du corps. Dernière fois. Chaise renversée, inspire. Et dans l'expiration, épaule vers le genou opposé. Maintiens. Repasse par la chaise renversée, les coudes bien ouverts à l'inspire. Et l'autre torsion. Allez, encore, encore. Et souffle. C'est bien tout le monde. Aïe, 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 ça va s'arrêter. Et souffle. Il me reste 10% de batterie, les amis. Si ça coupe, je suis désolée. Hein. Allez, encore, encore. Et souffle. Et on relâche. Allez, soufflez bien. Ok, on pose les deux pieds au sol parallèle. On joint les deux mains l'une contre l'autre vers le ciel. Inspire et en soufflant, ramène les deux bras sur le côté, d'accord? Pour aller travailler en oblique. Tu poses ensuite les bras le long du corps, la tête au sol. Inspire et en soufflant, tu lèves le bassin. Dépose, tu joins les mains vers le ciel et tu vas chercher l'autre côté. Vers le ciel et dépose, inspire, relève les fesses, rentre ton ventre. Encore, monte les mains, inspire et souffle. Donne une direction avec tes deux bouts de doigts. Là, les bouts des doigts, ils sont longs, longs, longs. Et dépose les bras le long du corps, soulève. Et encore. Allez, encore une fois de chaque côté. Allez, très bien.
bras le long du corps, lève les fesses, souffle. Joins les mains aussi à l'inspire, enroule et souffle. Bras le long du corps, relève bassin. On va rester le bassin relevé. Et puis vous allez ramener un genou et vous allez juste essayer de joindre le bout des doigts derrière votre cuisse ici, en alternant. Allez. Allez, tonifiez ici, serrez vos abdos, rentrez le ventre, serrez votre ceinture abdominale. Je change de jambe à chaque fois. Allez. Encore. Et puis, on va garder une jambe relevée, là, les bras le long du corps. Vous allez tendre cette jambe vers l'avant, éloignez le bras, opposé. Ramène, inspire, éloignez, souffle. Inspire, expire. Tiens ton centre, inspire, expire. Éloigne. Dernier. Et on change. Ici, éloigne. Allez, encore. Allez, tenez bon. Repoussez le sol avec le pied de terre. Encore deux fois. On dépose, on allonge les deux jambes au ciel, on place les mains derrière la tête et on finit avec des grands ciseaux. Les coudes bien ouverts, le menton dégagé. On n'arrête pas la respiration. J'inspire sur plusieurs, je souffle sur plusieurs. Stabilisez le dos, le bassin, ouvrez les coudes. Allez, encore, encore. Replie les jambes et tend les deux bras, les deux jambes à l'opposé. On maintient, on reste. Si ça tire trop sur le dos, vous pliez une jambe ou vous pliez même les deux jambes. Allez, je reste un instant. J'ouvre les bras sur les côtés, je plie mes jambes. J'attrape derrière les genoux. Je reste en équilibre. Je monte les bras en couronne au-dessus de la tête. J'allonge les jambes si c'est possible. Je dépose mes jambes et je relâche. Super! Bravo tout le monde! Voilà, on a fait une petite séance d'abdos, de pilates, pardon, avec des petits enchaînements. J'espère que ça a été pour vous. C'est un grand plaisir pour moi de partager ça avec vous. Mais j'espère quand même vous revoir vite en vrai. Je vous dis à bientôt. Allez, portez-vous bien. Salut !